Allez, bonsoir à tous, mes chers camarades. On se retrouve pour un nouveau stream. Et cette fois, il sera dédié au magazine Joystick. Le magazine Joystick, donc, qui était spécialisé dans les jeux micro, ordinateurs, mais tout le monde ne le sait pas, avait une rubrique qui était particulièrement fournie en jeux console. Donc, il testait des jeux sur console. Il traitait également de news. Et ce qui m'a paru intéressant, et j'ai pu m'en rendre compte au fil des années, c'est que, il testait des jeux qui n'étaient pas testés ailleurs. Alors pour deux raisons. La première, c'est que ils sont un petit peu antérieurs aux magazines que l'on connaît tous, c'est-à-dire les consoles plus et jeux iPad, parce qu'ils ont testé des jeux à partir de début 90. Alors que de mémoire, console plus débarquera un an plus tard, et donc on a pas mal de titres, voilà, qui n'apparaissent que dans le joystick. Alors peut-être dans le tilt aussi, mais bon, on va dire que le format de tilt ne m'a jamais plu. J'ai pas spécialement envie de m'y intéresser. Alors salut tout le monde, salut Ezekuel, salut Laurent. Salut Mani Mani, j'espère que vous allez bien. Je précise que le live ne sera pas très long, hein, je ferai peut-être ça en plusieurs fois. Donc on va démarrer, attendez, je veux quand même partager le lien, hein, s'il y a des gens qui veulent venir, hein, vous êtes toujours les bienvenus sur cette chaîne, c'est un peu le principe aussi, donc si vous souhaitez venir, c'est ouvert. Alors on va commencer par le numéro 2, parce que dans le joystick numéro 1, il n'y avait pas, à ma connaissance, en tout cas, je n'en ai pas trouvé, de test de jeux console, ou en tout cas, il devait être très bien planqué, parce que je ne les ai pas vus. Donc, on va commencer par le numéro 2. Le numéro 2, et qui traite, c'est intéressant, de la PC Engine 2. Alors, qu'est-ce que la PC Engine 2? Pour eux, eh bien, c'est tout simplement la Super Graphics. Donc on a un petit article sur la Super Graphics. Donc je ne vais pas forcément tout lire à chaque fois, mais c'est rigolo de s'y plonger avec le recul. À l'heure où la PC Engine 1 tend à être importée officiellement dans notre pays, les Japonais et les ingénieurs d'Hudson Soft ne s'endorment pas sur leur laurier. Depuis le mois de décembre 89, une nouvelle PC Engine, la Super Graphics pour ne pas la nommer, vient d'être lancée sur le marché. Produite pour l'instant à 50 000 exemplaires, il est à parier que la rupture de stock est proche. N'oublions pas que la PC Engine 1, alors ça me fait rire, hein, ce 1 maintenant, avec le recul, c'est pour l'instant vendu à 1,9 million d'unités. Rien qu'au Japon. Cette nouvelle console n'est pas basée autour d'un microprocesseur 16 bits, puisqu'il s'agit en réalité du même processeur que la PC Engine 1, un 65C02. Mais les similitudes s'arrêtent là. Super Graphics possède une mémoire vive de 32 kilobits versus 8 pour la PC Engine et une mémoire écran de 128K contre 64 pour la PC Engine, permettant de meilleurs graphismes, meilleure animation, de meilleur tout. Il est désormais possible d'animer 128 sprites simultanément à l'écran, alors que jusque-là il n'y en avait que 64, c'est déjà pas mal, vous me direz. Ensuite, il parle également des scrollings. Les softs sur la PC Engine souffraient quelque peu d'un manque de scrolling, ce en quoi ils n'avaient pas vraiment tort. En effet, ces scrollings devaient être programmés en soft, la PC Engine ne possédant pas en hard les instructions permettant de faire ce type de scrolling. Et donc, grâce à la Super Graphics, les choses se simplifient puisqu'elle possède en hard deux écrans logiques. Voilà, donc ça parle un petit peu technique. En France, c'est toujours le même problème pour l'instant. Aucune importation n'est prévue, je crois qu'ils disent, n'est prévue. Et seuls quelques magasins d'avant-garde, tels que Ultima à Paris vous propose des Super Graphics à un prix qui sera sur le E le plus bas possible. Au Japon, elle est disponible pour environ 1600 francs. Voilà, donc ensuite ce qui parle des jeux.
Alors, il parle de Battle Ace. À l'heure actuelle, un seul jeu est disponible au Japon. Il s'agit de Battle Ace, un jeu qui ressemble à Sky Fox, Afterburner ou encore Galaxy Force. Selon des sources sûres, plus d'une vingtaine de titres seraient en prévision. Hein, on sait que comment ça a fini. The Strider, Ghouls and Ghosts et tous les meilleurs hits des bandes d'arcade. Mais attendons de plus amples informations. Voilà, c'est assez rigolo avec le recul de voir que cette console n'a pas percé et que sa ludothèque est rachitique. Alors, Tilt au niveau console n'était valable que grâce à HAL, c'est lui qui la première fois. Ouais. Oui, parce que c'était pas du tout console, effectivement. Alors, il date de quand ce console plus? Je vais te dire exactement. Février 1990. Numéro de février 1990. Voilà, ensuite, après ça teste des jeux PC Engine, alors on va pas tous les regarder quand même. Mais on va feuilleter un petit peu ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que c'est la suite? Ouais, ça va être ça. Alors ensuite, on a quelques. Voilà, donc ça continue de tester. Mister Ellie, donc l'adaptation, la conversion du jeu d'ARM. Alors un petit passage rigolo. Il est assez difficile de faire un test technique des nouveaux jeux sur la PC Engine, tant ceci dépasse de très loin tout ce qui a été vu sur les consoles, les ordinateurs ludiques et d'autres consoles de jeux, exception faite de la Mega Drive. Que faut-il dire lorsque l'on a devant nous un jeu en tout point identique aux bandes d'arcade? Tant par l'animation que par les graphismes, que par le plein écran ou encore par les scrolling ou le son. On ne peut comparer que ce qui est comparable. C'est pour cette raison que les notes ne sont pas plus élevées, car pour cette machine, nous aurions été obligés d'élever le barème au-delà des 100%. Voilà, donc. Ils étaient en pleine PC Engine Mania dans le magazine. Voilà, c'est aussi ça qui rend le joystick intéressant. Je trouve qu'ils testaient. Déjà, ils testaient plus de jeux parfois que dans des magazines spéciaux et consoles. Ce qui est quand même assez rigolo, alors qu'ils n'avaient absolument pas cette. Ils avaient absolument pas cette image. Voilà. Après, il parle de Galaxy Force. Ce sont la plupart des jeux Sega adaptés sur PC Engine sont médiocres. Moi, ça m'a toujours frappé. Alors, soit je ne connaissais pas cette conversion de Galaxy Force. Lorsque l'on connaît le jeu et qu'on a joué dans les arcades, on savait bien que l'adaptation serait très difficile à réaliser. Celle-ci est lamentable. Dans la première partie, vous devez tirer sur des gros pâtés colorés, un peu à la façon de Star Raider sur Atari VCS. C'est moche et lent. Ce jeu est donc d'une exécrable nullité sur la Sega. Ah ouais, c'est même pas. Je pensais que c'était sur PC Engine, excusez-moi. Donc en fait, c'est sur Master System, donc rien à voir. Je sais même pas s'il est sorti sur PC Engine. Donc là, on est passé à la Master System, ok. Ouais, d'ailleurs, la couleur a changé. Spellcaster, bon, on va pas s'appesantir sur ces jeux-là. Ah, je trouve, j'aime pas du tout le Hot Run sur NEC. Je préfère la version Master System, c'est dire. Par contre, le Shinobi est bon, oui. D'ailleurs, c'est l'une des seules conversions vraiment proches de la version arcade. Mais le Hot Run, déjà le son est horrible. Et je sais pas, l'effet de défilement, je suis complètement foiré, quoi. Enfin, complètement, n'exagérons pas, mais. Ah, j'ai vraiment été déçu par ce Hot Run. Et après, pour le reste, c'est pas fameux quand même. Hein. Que ce soit Altered Beast. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Je sais plus, mais je m'étais intéressé. J'étais vraiment. Bah écoutez, je sais pas, faut peut-être que j'y rejoue, mais honnêtement, j'ai vraiment pas trouvé ça fameux. Alors, du coup, on continue.
Est-ce que je l'ai retrouvé celui-là? Non, mais les goûts, les couleurs, mais je sais pas. Enfin, en tout cas, par rapport à la version Mega Drive, pour moi, il n'y a vraiment pas photo. C'est vraiment absolument pas au niveau. Je vois même pas l'intérêt, à part pour la collection, parce que. Et pour la boîte qui est magnifique. Très belle boîte sur le South Run, mais sinon pour le reste. Puis les musiques sont pas géniales non plus de mémoire, enfin bon, je sais pas. Alors là on est toujours sur Master System là. Alors Dead Angle, je sais pas ce que ça vaut sur Master System. Attendez, pourquoi il n'y a pas de note d'ailleurs? Dans ce jeu de tir, vous êtes représenté en filigrane, un peu comme un billet de banque. Il ne faut surtout pas que vous soyez dans la ligne de mire des tueurs. L'impression est bizarre, mais pas gênante du tout. Attendez, ah c'est des previews. D'accord, autant pour moi. C'est normal. Non, pas sûr. Alors, attendez, petit article sur la Game Boy. En attendant la console Lynx d'Atari, voici qu'arrive la nouvelle console Nintendo, la Game Boy. Oui, hein, c'est là qu'on voit que c'est un magazine qui est assez vieux. La principale caractéristique de la Game Boy réside dans ses dimensions, puisqu'elle est à peine plus grande que les petits jeux à cristaux liquides, qui faisaient fureur, voilà, maintenant 4 ou 5 ans. Tout d'abord, et comme ses cousins cités plus haut, cette console possède un écran LCD. De plus, par le moyen d'une prise casque, il est désormais possible d'entendre en stéréo des musiques qui feraient pâlir bien des ordinateurs. Enfin, il est possible de connecter deux Game Boy ensemble. Comme pratiquement tous les fabricants japonais, Nintendo laisse planer le plus grand doute sur la caractéristique technique de la console. Pour une machine de cette taille, les jeux sont assez fantastiques. Le point fort de la console réside principalement dans le fait qu'elle est hyper maniable et que sa taille lui permet d'être dans toutes les poches. Voilà. Donc pour le moment, je crois pas qu'il y ait de test par contre. Et là, on a un petit test d'Alpha Mission sur NES. Et ça, effectivement, c'est une horreur pour y avoir joué. C'est le genre de jeu qui dégoûtait de la NES. Ouais, Golden Axe, ouais, par exemple, oui, effectivement. Mais j'ai quasiment tous essayé. C'est. Ok. Partager l'écran. Ensuite, on va passer donc au suivant. C'est le joystick numéro 3. Donc là, c'est le joystick numéro 3. On change. Attendez, est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? Attendez, parce que c'est pas la première page, normalement celle-là. Attendez, excusez-moi, on va changer. Numéro 3, c'est celle-là, voilà. Donc ça parle de la Lynx. Ça parle de la Lynx. En attendant, la nouvelle PC Engine portable. L'appareil, ils n'avaient pas le nom définitif, qui sera disponible au Japon et aux États-Unis dans 4 ou 5 mois. Voici que les Américains et en particulier Atari se rebiffent. Ah, la Lynx. Ah, moi, je l'ai connue au travers d'un ami à l'époque. Je peux vous dire que j'ai joué 5 minutes. Tellement ça m'a pas attiré. Comme quoi, même si les graphismes étaient impressionnants, parce que c'est vrai que. Je sais plus comment il s'appelle, il y a un fameux shoot'em up là qui a des effets de zoom. Je sais plus comment il s'appelle, mais bref, j'ai cette console, et c'est cas de le dire, mais littéralement tombée des mains. C'est vrai qu'elle est lourde aussi. Comme quoi, la technique, ça fait pas tout, hein, et même quand t'es gamin, en fait. C'est marrant, je sais pas, je saurais même pas comment l'expliquer parce qu'elle avait quasiment. Après, c'est une transportable, hein, bien sûr, mais.
Contrairement à la Game Boy, la Lynx possède un écran LCD couleur rétro-éclairé, une qualité encore jamais vue. Et il semble que les techniciens d'Atari aient réglé le problème avec brio, puisque un écran si petit, jamais un écran si petit n'a donné de tels résultats. La résolution graphique peut sembler faible, puisqu'elle n'est que de 160 sur 102, mais lorsque l'on connaît les dimensions de l'écran, 9 cm en diagonale, c'est vrai que l'écran aussi était petit. En fait, t'avais l'impression d'avoir un objet énorme avec un écran tout petit. Par le biais d'un connecteur, vous pouvez l'accord. D'accord. Bon, pareil, hein, y a des gens qui vont nous expliquer que c'est une super console. Je n'en doute pas, mais... Oh, attends, est-ce que ça parle un peu jeu, là? Gates of Zendocon. Gates of Zendocon, pour un premier shoot'em up sur Lynx, c'est une réussite. Comment seront les prochains? Je n'ose même pas y penser. Ensuite, on a Electrocop. Le graphisme est un peu fouillé car trop d'objets sont représentés à l'écran. Le jeu en lui-même est suffisamment riche pour vous faire vivre de longues heures de recherche. Un soft n'est utilisé que si votre Lynx est alimenté sur secteur. Déjà tout est dit quoi. Non, après, enfin, le problème c'est déjà quel intérêt d'avoir une console transportable si t'as déjà une télé chez toi en fait. C'était ça aussi le problème parce que je me souviens, j'étais. Quand j'allais chez ce pote là, en fait, on jouait à la NES à l'époque. En fait, pourquoi on allait se faire chier à jouer sur un écran tout petit alors qu'on avait un écran de télévision qui était à disposition? En fait, voilà, c'est tout simplement le principe même, quoi. Alors, sauf si t'es businessman, sauf si tu étais businessman à l'époque et tu voyageais beaucoup, ça n'avait aucun intérêt, en fait, pour un gamin. Quand on y pense. Bah écoute, moi, enfin, on va pas débattre de ça, mais pour moi, vraiment, le gros problème des adaptations Sega, et notamment de tous ces jeux qui utilisent cette technologie du super scaling, c'est que vraiment, je trouve l'animation vraiment pas terrible en fait. Et déjà que sur Mega Drive, c'est pas toujours fameux, mais vraiment de mémoire, c'est encore pire sur PC Engine, mais il faudrait, bon, peut-être que je me trompe, hein. Ah, c'est peut-être le jeu dont je parlais alors. Claquer la Lynx, ouais, c'est vraiment une console pour moi qui n'avait aucune utilité. C'est pas sur ce Mac qu'il annonçait la fameuse console de Konix. Ouais, alors là, honnêtement, il faudrait que je regarde dans le détail, mais je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'avoue là je me suis concentré sur les pages qui traitent des jeux consoles. Bah du coup ça parle encore de la Lynx. Tiens, on va quand même regarder pour rigoler. Alors ça c'est un jeu qu'avait mon pote, ça je m'en souviens, California Games. Alors California Games est sur Lynx la meilleure version de ce jeu. Et je veux bien le croire, c'est suffisamment rare pour que je le souligne. Ok. Donc apparemment très bonne version. Ça je me souviens qu'il l'avait. Blue Lightning 97%, ça qui a l'air joli. Hein. Ce jeu dépasse de loin tout ce qui a été fait auparavant, son n'importe quel micro ludique. Quand je pense que l'écran ne fait que 9 cm en diagonale, c'est fou. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quoi ça? Ah oui, PC Engine, effectivement. Là, on a de la PC Engine ici. Ah bah tiens, parlons-en des conversions de jeux Sega. Space Harrier. C'est la meilleure version de ce soft que j'ai vu jusqu'à présent. Exception faite toutefois de la version Sega Mega Drive. C'est peut-être pas la même non plus. Oui, c'est ça, donc il précise. C'est de Space Harrier 2. Et déjà, Space Harrier 2, sur Mega Drive, je l'aime pas. Bon, après, vous allez me dire, c'est peut-être la version d'arcade que j'aime pas. C'est déjà de base. C'est peut-être aussi ça. Bon, alors du coup, hop, on passe à autre chose.
passer la suite. Taito Motorbike Racing. Alors, c'est dommage qu'ils aient pas mis des screens du jeu in-game et pas des cinématiques là. Le graphisme et l'animation sont irréprochables, votre moto et Mania me répondent bien au stick. J'avoue, je le connais pas celui-là. Je sais pas ce qu'il vaut. Son Son 2. Sympathique jeu de plateforme. Son Son 2 est un bon jeu qui ravira cette formule. Cette formule de paresseux. Je l'ai utilisé, je crois, deux fois en tout et pour tout pour mes tests. Et en général, c'est quand j'avais plus d'inspiration. J'ai dit, comment je vais finir mon test? Ah bah, c'est pas compliqué. On va sortir la bonne vieille formule. Est un jeu qui ravira les amateurs du genre. Point. Allez, hop. C'est torché. On passe à autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ça nous intéresse pas trop. Allez, on passe du coup au magazine, au numéro suivant là, cette fois je crois. Ah non, j'avais pas fini, non mais ça on s'en fout. Allez, du coup on va passer au numéro 4. Ah, ça va nous intéresser. Enfin moi en tout cas. Ça va m'intéresser. Puisque ça parle de la Mega Drive. La Mega Drive. On vous a parlé le mois dernier du Salon International du Jouet de Paris, en vous promettant d'y revenir plus amplement. Ce mois-ci, c'est de Sega qu'on cause, et plus particulièrement de la Mega Drive. La Mega Drive 16 bits était annoncée à grand renfort de pub dans les journaux spécialisés du jouet. Le stand Sega était d'ailleurs axé sur la présentation de celle-ci, puisqu'on y trouvait aussi une quinzaine de jeux présentés en exclusivité. Rambo 3 n'a rien à voir avec la version 8 bits. Il s'apparente plus à un commando bourré d'armes avec des scènes très spectaculaires. On tire sur les hélicoptères. C'est vrai que ça faisait son petit effet, cette scène vue en TPS un petit peu de derrière là avec Rambo qui tirait sur l'hélico. Golden Axe est lui adapté d'un succès d'arcade. Il propose à deux joueurs de partir attaquer de villes créatures dans un style heroic fantasy. Il existe aussi sur la 8 bits, mais la version 16 bits est de loin supérieure. Sega Hang-On est la super, pardon, Hang-On est la suite du grand hit arcade. Pareil, j'aime pas du tout l'adaptation Mega Drive. Bon, vous allez me dire que j'aime rien. Je viens de vous dire, de manière générale, les premiers jeux sur Mega Drive sont, je suis désolé, sont à chier. Super Thunder Blade, c'est une horreur. Il s'en passe lui aussi, mais bon. Last Blade, Last Battle. C'est là qu'on voit que c'était. Je suis désolé, là par contre, je vais jouer à contre-emploi. Mais quelle ludothèque de merde! Je parle pas des jeux d'origine, mais. Alors évidemment, ça devait faire son petit effet quand même à l'époque, mais. Attends, mais Last Battle. Reprend lui un dessin animé qui eut un grand succès au Japon. Mystic Defender, bon, ça par contre c'est sympa quand même. Et quant à lui, un autre jeu de combat, mais faisant plus appel à la magie qu'aux muscles. Sound of Force 2. Bon, pareil, j'ai du mal avec Sound of Force 2. Hein. Je peux vous dire que j'ai essayé. Hein. C'est un grand fan de la série qui vous parle. Mais en Sound of Force 2, j'ai vraiment du mal. Hein. Ok. Alors, sa vidéo RAM est de 60K KO. Et elle dispose d'une résolution de 320x244, contrairement à la 8 bits, qui ne propose que du 256x192. Et de 112 couleurs. Oui, ça, c'est la palette. Attends. La 8 bits qui n'ont fait que 64. Je pense qu'ils se sont emmêlés les pinceaux un petit peu. Côté son, il n'y a pas à dire, elle est gâtée puisqu'elle est équipée de 3 systèmes sonores, dont un générateur de son digitalisé pour les voix et les musiques. Comme vous l'avez sans doute compris, elle est totalement compatible avec la Master System. Ça, j'ai l'impression que c'est une fonctionnalité qui n'a jamais été exploitée, probablement parce que tout le monde s'en foutait en fait. Qui avait envie de jouer au jeu Master System sur une Mega Drive? Je vous pose la question.
qui avait envie de jouer à la Master System, alias la console des clochards, sur Mega Drive? Alors, je suis méchant parce que j'en avais une, mais franchement, on n'avait qu'une envie, c'est de tourner la page, quoi. Les mecs, ils nous... Je sais pas qui a acheté cet adaptateur. Je vois même... enfin, je me mets à la place d'un gamin, en fait. C'était inimaginable pour un gamin de rejouer sur une console de la génération précédente. Bon, j'arrête d'être mauvaise langue ce soir. Un port d'extension est aussi présent. Ah, un lecteur de CD-ROM pour des jeux plus beaux et plus longs est prévu. Donc ils en parlaient déjà, très bien. Sachez que son homologue, rebaptisé Genesis, est commercialisé en Amérique et ne fonctionne qu'en NTSC, 60 Hz de balayage, alors que la Mega Drive est, elle, bien en PAL. 50 Hz, quelle chance qu'on avait! Elle est en 50 Hz, c'est tellement mieux, ce qui procure donc une image plus grande. Alors, est-ce que c'est moi qui comprends mal la phrase ou, plus probable, ils l'ont mal formulée? Je pense qu'ils l'ont mal formulé, sachant que son homologue, rebaptisé Genesis, s'est commercialisé, ne fonctionne qu'en un. Alors que la Mega Drive est les mêmes, ce qui procure. Oui, d'accord, donc c'est mal formulé. On a l'impression qu'il parle de la Mega Drive PAL, alors qu'en fait, il parle de la Genesis. Bah, on s'en fout. Alors, nous sommes quand ça tout petit. Ah, ça c'est marrant qu'ils en parlaient déjà, mais c'est là ils avaient plein de projets dans les tuyaux, c'est fou. De l'autre côté, du côté de l'indiscrétion, on a maintenant une certitude sur le bien fondé des rumeurs qui avaient circulé au CES de Las Vegas, à savoir le développement au Japon par Sega d'une console de poche. D'accord, c'est la Game Gear. D'accord, elle était déjà annoncée alors que la Game Boy venait de sortir. Ça, je pensais que c'était un peu plus tard. Bon, j'avoue que là, les dates, je m'en souviens plus trop. Je sais pas quand elle est sortie la Game Gear. J'ai oublié. Bon, est-ce que ça vous inspire tout ça? Ouais, mais c'est. Tu trouves pas que le gameplay est à chier? Je suis. J'en rajoute ce soir. J'en rajoute. Je fais exprès. Non, mais je le trouve. Allez, je vais essayer de formuler ça de manière plus douce. Je le trouve pas très jouable. Ce Super Hang-On. Franchement. Et d'ailleurs, ça m'a frappé quand j'ai joué. Au Hang-On, le premier Hang-On en version arcade dans Shenmue par hasard, grâce à Adam, donc j'ai dit c'est pas possible. Mais le jeu est tellement plus agréable que Super Hang-On, c'est un truc de fou. Je t'invite à réessayer Mani Mani, sauf si tu le connais très bien, et dans ce cas-là, je ferme ma gueule. Mais je. Il est, je sais pas, il est bizarre, il est vraiment bizarre. L'oncle d'Ozaki. Ouais, mais rejouez-y, hein. Franchement. Hein. Il y a des jeux comme ça. Moi, ça me rappelle Super Monaco. Je vous assure, Super Monaco, limite, j'avais la haine contre tous ceux qui me le vendaient. Tellement je le trouve moche. Là, c'est pareil, je vais être radical. Super Monaco GP, mais c'est une purge. J'étais choqué. Super Monaco GP qu'on présentait comme un super hit. C'est une horreur ce jeu. D'ailleurs, je me suis forcé pour pas le démonter quand j'ai fait un test, quoi. Parce que je crois que je lui ai mis, je sais plus, je lui ai mis, je crois, un 7, mais j'avais qu'une envie, c'est de lui mettre 5. C'est incroyable. Ok, donc tu me rassures, mais tu. Ça fait partie de ces légendes de la Mega Drive qui sont complètement surcotées. Et c'est pareil pour Echo the Dolphin. Echo le Dauphin, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais c'est hallucinant. Alors après, bien sûr, t'as l'ambiance et tout, mais c'est nul. C'est nul, c'est pas maniable. Le level design est complètement pourri. Mais ça, c'est le genre de jeu, il faudrait les démonter en vrai. Mais je suis honnête, je n'ose même pas le faire parce que. Puis déjà, c'est pour ça que ça me fait chier de passer 2 heures dessus aussi. Super Monaco, je m'étais fait chier. J'avais vraiment passé du temps dessus
J'avais qu'une envie, c'est de le démonter et de le brûler. Super Monaco GP. Bon, écoute, j'essaierai. Enfin, j'essaierai. Je sais pas si je pourrais essayer. Je regarderai. Je te fais confiance. Jamais compris. Ouais, alors je le connais pas bien sur Dreamcast, mais ça, en tout cas, il est. Mais pareil, il est très joli, mais. Ok. Ça, c'est pas partie de ces jeux, faudrait qu'on les redécouvre. Ah, allez, là, ça parle de Golden Axe sur Mega Drive. Alors, Golden Axe sur Mega Drive, là, désolé. Quoi qu'on en pense. Jeu culte. Attendez, c'est quelle version ça? Ah non, c'est la version. Pardon. La version Master System. Alors, pas... Alors je l'avais celui-là. L'animation est un scandale. Alors combien ils vont? 90%. Ah, je suis désolé. Même à l'époque, je trouvais ça à chier. Pareil. Ah, vous allez dire que je suis blasé ce soir. Mais le Golden Axe sur Master System, j'étais choqué par l'animation. Déjà à l'époque. Bon, par contre, version Mega Drive. Rien à dire. Et regardez-moi cette magnifique pub. Non, mais c'est magnifique, ce genre de pub. Ça, c'est tellement le genre de jeu que tu voyais à l'époque quand t'étais gamin, tu en rêvais quoi. Après, je sais pas ce qu'il vaut Crazy Cars 2. C'est magnifique. Avec cette Porsche F40. Putain, ça tu voyais ça gamin, t'étais comme un fou. Bref, là je m'égare encore. Sur côté parce que t'avais Monaco GP sur Mega face aux autres qui étaient sur NES. Ouais, donc c'était juste les graphismes parce qu'honnêtement les contrôles sont imbuvables. Ouais, mais c'est quand même énervant parce qu'il y avait toute une hype. Après c'était les journalistes hein. Qu'est-ce que c'était hypé ces jeux-là? Allez, on continue avec la suite. Là, on est au numéro 4 hein, de joystick. Ah, ça y est, il le teste. Alors, je sais pas ce qu'il vaut ce Dead Angle. Hein. Ben, c'est un genre que j'aime bien. C'est un genre que j'aime bien, les galeries shooter en quelque sorte. Un bon jeu de tir à jouer au joystick, mais un jeu dont la durée de vie semble inversement proportionnelle à votre aptitude au tir. Ça, c'est pour moi, c'est pas un défaut. Je crois que je m'y. Vous en pensez quoi? Vous le connaissez ou pas sur Master System? C'est le genre de jeu qui me brancherait. S'il n'est pas trop cher, je vais essayer de le trouver. Ensuite, Dynamite Dux, je l'ai aussi sur Master System. Sympa. C'est une bonne. Bon, je connais pas la version arcade, mais je pense que c'est une bonne conversion pour. Les capacités de la Master System. Ils le mettent combien? 85%. Il est rare encore que cette constatation tende à disparaître, que les adaptations console soient supérieures aux versions micro. Mais pour Dynamic Dux, c'est incontestable. La maniabilité est parfaite. Les sprites gros à souhait glissent devant nos yeux, interloqués. Les graphismes sont de très belle qualité. Oui. Non, franchement, il est. Ça, c'est un. C'est un petit jeu rigolo maintenant. C'est pas non plus un grand jeu. Mais je pense que c'est une bonne conversion. Ensuite, Atomic Robo Kid, ça c'est la version. Quelle version? C'est Mega Drive ça? Non, c'est PC Engine. Je sais pas quelle est la meilleure. Quelle est la meilleure version de Atomic Robo Kid? PC Engine ou Mega Drive? C'est un jeu que j'ai bien aimé sur Mega Drive. Je l'ai testé pour ceux que ça intéresse. Ok. Ok. C'était hyper parce qu'en arcade c'était top comme Legacy Force. Mais il fallait penser fort à l'arcade pour y croire. Ouais. C'est bien résumé. Ensuite. Chase HQ, c'est quelle version ça? PC Engine. Alors qu'est-ce qu'elle vaut la version PC Engine? Moi je vais vous dire, j'ai. Qu'est-ce que je suis frustré par les conversions de Chess HQ. Même la version Saturn n'est pas au niveau.
Et là, pareil, je maudis Kero qui me l'a survendu alors qu'elle est une pâle copie de la version arcade. Mais vraiment, ça, je. Là, pour le coup, c'est pas du troll. C'est pas du troll. On n'est vraiment pas au niveau. Et c'est là que tu vois. Alors, je parle pas de Kero parce que Kero a pas forcément fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire à comparer la version arcade avec la version Saturn. Parce que j'ai vraiment pris le temps, en fait, de le faire. Mais les mecs qui disent que c'est une conversion à l'identique de la version arcade, vous n'y avez tout simplement pas joué à la version Saturn. C'est pas possible. C'est là qu'on voit que les gens ne jouent pas au jeu. C'est vraiment énervant. Et du coup, ça m'a énervé parce que je l'ai acheté cher, cette version Saturn. C'est pour ça que je suis énervé, en fait. J'ai dû la payer près de 100 euros, quoi. C'est beaucoup moins maniable. Bon, bref, alors cette version PC Engine, je sais pas ce qu'elle vaut, par contre, je la connais pas. Et je vais vous dire, je pense que la meilleure conversion, c'est la version Master System. En tout cas, de celle que je connais. Si t'as pas aimé Outrun sur NEC, oublie. Ouais, bah, je suis pas sûr qu'il ait joué à tous les jeux. En fait, d'ailleurs, il avait avoué que. Bref. Tiger Ellie. Ah, c'est quoi ça? Sur NES, ouais. 95%. C'est vrai qu'il est vraiment impressionnant, hein, ce. Cette conversion est vraiment impressionnante. J'ai jamais joué. Je la connais pas sur NES. Mais c'est vrai qu'elle est belle. Hein. Enfin, elle est belle, en tout cas, elle est vraiment fidèle, je trouve, pour les capacités de la NES. Je sais pas combien ça vaut, ça d'ailleurs, ça doit coûter une fortune maintenant. C'est vraiment typiquement le genre de jeu que j'aimerais prendre sur NES. Mais ça va me dégoûter quand je vais voir les prix. C'est pas top. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a ça. Ah, bah là, ça va nous intéresser, les mecs. On a Altered Beast sur PC Engine. Le graphisme est superbe. L'animation est un peu lente, mais reste fidèle à la version des bandes d'arcade. Il est cependant dommage que quelques bugs intempestifs viennent troubler votre aventure. Moi, je vais vous dire, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Pour moi, le meilleur Altered Beast, c'est la version Mega Drive, qui est même supérieure à la version arcade. Je le maintiens et je le démontrerai. Je le démontrerai. Nonobstant la beauté graphique de la version arcade et les effets, effectivement, et les effets de zoom et tout qui sont impressionnants. Mais au niveau du gameplay, il n'y a pas photo, la meilleure version, c'est la version Mega Drive. Fighting Street, alias Street Fighter. Bon, sans commentaire. Alors celui-là, par contre, je pense qu'il doit être pas mal sur PC Engine. Le Wonder Boy Monster Lair. Je sais pas s'il est meilleur que sur Mega Drive, faudrait voir. Je connais pas. Parfaite conversion de la version arcade. Wonder Boy 3 n'en finira pas de vous surprendre. Ça, il faudrait que je le teste sur Mega Drive. Putain, mais c'est quoi ce truc, sérieux? C'est quoi ça? Ils ont complètement craqué. Attendez, j'ai raté des jeux là. Il y avait d'autres jeux. CD-ROM. Il y avait ça aussi. Vous voyez tous ces jeux-là? Non, mais c'est là qu'on voit vraiment. C'est dans le magazine Joystick, les mecs. Ça, c'est Joystick. Regardez le nombre de tests de jeux console. Et c'est des tests qui n'ont jamais été faits ailleurs. Wonder Boy 2. Cobra. Je sais pas ce que ça vaut, bon ça doit être un jeu d'aventure imbitable pour nous. Valise 2, Megastar. Enfin, ça fait plaisir de voir que c'était bien noté. Bon, pourtant, c'est pas non plus des chefs-d'œuvre, mais bon, ça fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de Red Alert?
et on a un is. 99%. Un jeu géant, fantastique, mirobolant, certainement le meilleur jeu jamais réalisé sur PC Engine. Fantastique, archi-démentiel. Ah, vous... ok, c'est lourd. La lourdeur. Megastar obligé sur NES. Salut moi. J'adore. Tu parles de quoi là par contre? Ouais, visual novel, ouais, c'est marrant, oh, je sais pas. D'ailleurs, je vais pas regarder, ça m'étonnerait qu'il y ait joué, quoi. C'est vraiment une blague. D'accord. Alors, Sada, moi, ça m'intéresserait. Ouais. Je crois qu'il a pas été converti ailleurs, non? Il me semble. Fiacom. J'ai pas regardé de quoi tu parlais. Je parlais du monde solaire, ok. Ouais, bah, la version Mega Drive est très bien. Je sais pas ce que ça vaut du coup sur PC Engine, je le connais pas. Alors du coup, on avance avec un jeu culte. Un jeu culte, Zelda 2 les mecs. Un jeu de mon enfance. Aussi impressionnant que frustrant. Aussi passionnant que pénible. Je n'hésite pas à le dire comme ça, je le formule comme ça, parce que c'est vraiment... J'ai ressenti des impressions contradictoires avec ce jeu, quoi. C'est un jeu qui m'a traumatisé, mais en même temps, une ambiance de fou. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont dire? Allez, on va tout de suite aller à la conclusion. Le voyage en vaut la peine, et les améliorations par rapport à Zelda 1 sont substantielles et nombreuses. Le pléonasme est censé bien vous faire comprendre ce que j'écris. Si le principe du jeu est très proche de la première mouture, les visites des villes, des châteaux et des cavernes, ainsi que les combats se déroulent sur un plan horizontal. Ce qui est beaucoup plus agréable à jouer. Bon, c'est discutable. Comme d'habitude, plus Link gagne de points, plus il acquiert de l'expérience. Heureusement, le jeu comporte la même pile au lithium que le premier. Pile qui tue en théorie 5 ans. Alors ça va être une petite question. Est-ce que vous savez si ces piles fonctionnent encore ou pas? Eh bien, vous aurez longtemps que Justy vous aura donné la solution. Ok. Merveille. Ah, par contre, ça, je... Vous voyez, c'est là où j'essaie quand même de faire la distinction entre mon avis et l'objectivité. Jamais je dirais que Zelda 2 est un mauvais jeu. C'est impossible. C'est un jeu culte. C'est un grand jeu à toute... à minima. Mais, ouais, c'est pas... J'ai même pas envie d'y rejouer, en fait. Mais je reconnais que c'est un jeu exceptionnel. Je n'arrive pas avec ces jeux d'aventure RPG déjà à l'époque. Ça me saoulait. Ouais, c'est plus pour moi, ouais. C'est plus, je suis d'accord avec toi, c'est plus par rapport à moi et à mes goûts. Cozy, on sentait que c'était pas un vrai Zelda, comme sur... Ouais. Ouais, et pourtant, c'est un vrai Zelda. Elle marche les piles, ouais, donc ils se sont vautrés. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire la même... le parallèle avec la durée de vie des CD? C'est-à-dire qu'on nous promet... On nous promettait une durée de vie de 30 ans. Est-ce que du coup c'est bidon et ça sera beaucoup plus? Je ne sais pas. Je pose la question, je la pose. Je la pose sur la table et vous la prenez ou pas. Encore des conversions les mecs. Encore des bonnes conversions. Cette fois-ci sur Mega Drive. Ah franchement. Là c'était autre chose que la version Master System. Les décors et les graphismes des guerriers et des monstres sont somptueux. Rien n'a été lassé au hasard dans Golden Axe. Même les bruitages et les musiques sont remarquables. La seule critique que j'émettrais concerne le jeu en lui-même, qui reste à mon sens un peu simple dans sa conception. Sa réalisation est impeccable. En tout cas, Golden Axe sur Mega Drive est de loin la meilleure version qui m'était donnée de voir, similaire à l'arcade. Bon. Super Unknown, 90%. Super Unknown est la première course sur Mega Drive. Et quelle réussite!
Seul les graphismes des décors et l'animation laissent quelque peu à désirer. C'est quand même un problème, hein, si je peux me permettre. C'est quand même un problème pour un jeu comme ça, l'animation. Ouais. Marche toujours. Tous mes jeux NEC CD fonctionnent, ça fait plus de 30 ans. Ouais, on croise les doigts, écoutez. En tout cas, plus le temps passe et moins je suis inquiet. Ce qui n'est pas logique, mais. Tiens, Kiki Kaikai. 75%. Pourtant, c'est une bonne conversion. Ce nouveau jeu de Taito, sans être un must, est très sympa à jouer. J'aimerais bien le prendre, celui-là. Oh, de toute façon, vous connaissez mon amour pour la série. D'ailleurs, les photos ne rendent pas honneur au jeu. Hein. Putain, la vache, c'est complètement délavé là. Ouais, Strange Jaune, je sais pas. D'ailleurs, je me souviens aussi la version Super NES, je sais plus comment il l'avait appelé dans le Joypad. C'était un nom complètement débile. Je sais pas pourquoi, il devait pas avoir le nom définitif. Les durées de vie n'étaient qu'estimation. Pas assez de recul. Bien sûr. Non, mais on peut pas leur en vouloir, c'est sûr. Je pense que même les constructeurs ne le savent pas en fait. C'est ça la vérité. Elle est là. Regardez le nom, mais attendez. Moi, je suis pas le plus gros fan de jeux PC Engine, mais regardez le nombre de tests. C'est un régal, quoi. Bon, après, je dis pas que les tests sont bons, ça c'est autre chose, mais. Paranoïa. Encore un soft pour pacifiste en herbe. New Zealand Story. Je connais pas non plus cette version PC Engine. Ah, il se faisait chier quand même à tester des jeux. Alors qu'il faut quand même rappeler un truc, hein. Ça concernait combien de personnes en France, à votre avis, ça? Il y avait 10, 10 tondeux, 10 pelés qui avaient une PC Engine à l'époque. Je veux dire, là, on est en 90. Hein. Je veux dire, il y a que les journalistes parisiens qui avaient une PC Engine, quoi. Donc ça fait marrer en même temps, quoi. Mais c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial avec le recul. Ok. Allez, on va peut-être finir sur un numéro. Ouais, je sais pas. Après ça, qu'il est un petit peu punitif. Hein. Ils ont dû criser. Kai Kai. NES vaut mieux que prendre la version Famicom chelou. Je connaissais pas. Ouais. Je connais pas la version Famicom. Je connais par cœur la version Mega Drive de New Zealand Story. J'ai fait le 1CC. Okay. Paranoia, c'était connu et pas terrible. Je crois que c'était vendu avec les PC Engine SodiPeng. Je l'avais en 90 et on croisait toujours les mêmes mecs chouchoutés. Ouais. Ah, c'est sûr, non mais. Je pense que vous étiez pas nombreux. Hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est beau. Cet engagement. Allez, on va s'attaquer à du lourd là. The Super Shinobi. Ce test de Super Shinobi. Attendez, par contre là c'est chiant parce que j'ai pas de. C'est pas des doubles pages là. C'est pas des doubles pages. Pour 96%, ça fait plaisir. Quel jeu n'empêche. Les effets graphiques de ces armes sont tout bonnement spectaculaires. À propos de graphisme, inutile de vous dire qu'ils sont superbes et que la perfection est proche. Le scrolling parallaxe, toujours sur deux plans, tantôt horizontal, tantôt vertical, n'est pas en reste. Il est irréprochable. Super Shinobi possède également une option intéressante.
puisqu'il est possible avant la mise en route du jeu d'entendre toutes les musiques. C'est incroyable. Un sound test. On connaissait les performances sonores de la Mega Drive sur le papier, mais dans les oreilles, c'est hallucinant. Voilà, ça, ça confirme un truc, c'est que cette espèce de révisionnisme autour des capacités sonores de la Mega Drive, et ça confirme ce que moi j'ai toujours pensé et que je voyais autour de moi, c'est qu'à l'époque, personne n'aurait osé dire que les musiques de la Mega Drive étaient pourries. Tu vois, ça n'existait pas. C'est... Alors là, évidemment, vous allez me dire, c'est ce Super Shinobi, c'est pas n'importe quel jeu. Mais bon. On connaissait les performances sonores de la Mega Drive, ok. Ce Super Shinobi est certainement un des plus beaux jeux jamais réalisés. Très bien. Rien à dire. Je me suis dit que j'avais fait le bon choix d'avoir la Mega Drive. Tu m'étonnes. Non, mais là, c'est l'époque où ça commençait à envoyer là sur Mega Drive. Parce qu'au début, oui, je répète, ça a démarré un peu lentement. On va pas se mentir. Et puis après, ça a décollé, quoi. Attention, un jeu que j'adore. Enfin, un jeu que j'adore. Non. Un jeu culte à mes yeux. Simon's Quest. 95%. Ah ouais, là, je m'attendais pas à ce qu'il le note aussi bien. La différence avec Zelda 2. Bonne question et merci de l'avoir posée, je n'y répondrai pas. Il n'y a pas de pile de sauvegarde, ce qui est dommage. Ensuite, l'énigme est moins complexe à résoudre. Ah oui, d'accord. Donc il a réussi à le finir, bravo. 6 étapes hallucinantes vous permettront de retrouver les morceaux du cadavre avant d'aller dans le château. Attention au dernier morceau, le cœur, car il attaque. Parfait graphisme, super. Le premier épisode était bien, celui-là est génial. Ça, c'est marrant, je sais pas pourquoi ils ont mis Zelda 2 à côté, parce qu'ils le comparent. Ok. Bon, en tout cas, ils sont très très forts. Moi, ils doivent avoir une solution, je pense, j'en sais rien. La classe. Ah, Bruno Famini qui essaie de se racheter après ses errements. Et ses insultes envers la 16 bits de Sega. Brûlez-le. Non, je plaisante. On disait pas que le son sur Mega était pourri et qu'il était meilleur sur Super NES. Non, mais les gens, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font comme si le son de la Mega Drive était dans l'absolu pourri. Non. Il n'est pas dans l'absolu pourri. Après, peut-être qu'il a été dépassé. C'est pas forcément d'ailleurs mon avis surtout par la Super NES. Mais dans l'absolu, comme à l'image de la NES à son époque, la NES avait un bon son à l'époque. Je vais donner un exemple. La Master System, pour moi, a un son de merde. Parce que même à l'époque, elle avait un son de merde. Donc c'est pas lié à une technologie. C'est juste que les sonorités sont à chier, quoi. Enfin, c'est mon... enfin, après, vous allez dire, c'est subjectif aussi. Ça, c'est Nintendo en boucle. Ouais, tu m'étonnes. Et je pense qu'ils avaient des solutions, les mecs. Je sais pas. Je sais pas comment... Ils avaient peut-être des petits avantages, quand même. Ouais. Non, mais parce qu'il y a vraiment l'idée que la Mega Drive a, on va dire, un chip sonore de merde, voilà. C'est ce que les pros Nintendo débiles disent. On compare avec ce qu'on avait comparé. Bah ouais, c'est mon avis. Après, voilà, de toute façon, mais... moi je respecte tous les avis là-dessus, mais je trouve même qu'avec le temps, il y a une revanche sur les sonorités Mega Drive par rapport aux autres, par rapport à celles de la Super NES. Alors, le test d'Afterburner 2, 79%. Les critiques se porte plutôt sur le style du jeu en lui-même et non sur sa réalisation. Pareil, hein, moi Afterburner 2,
Pareil, y a rien à faire. Jamais accroché à ce jeu, malgré sa beauté. J'arrive pas à y jouer, en fait. Mais peut-être que je devrais creuser. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est énorme, le SOS Nintendo appelait eux-mêmes le SOS Nintendo USA. Ouais, c'est rigolo ça. J'avais pas ça. Ça, tu l'as appris au travers de Florent Gorge ou pas? Parce que je sais qu'il a fait pas mal de vidéos à ce sujet. Salut Technosoft. Bah non, c'est, tout le monde s'en foutait. Quoique, quand même, encore une fois, je me répète, la Master System. Alors, c'était pas un débat, bien sûr, j'en parlais pas dans la cour de récré, mais je me souviens, la Master System, je trouvais ça désagréable déjà, quoi. J'avais du mal à le formuler, mais c'était pas comme sur NES où c'était plus clair, plus cristallin, plus agréable. Ça piquait les oreilles quand même, je trouve. Allez, dernier numéro et après on arrête. Ah bah tiens, ça va faire plaisir à Mani Mani là. Power Drift sur PC Engine. 81%. Dans cette course haletante, l'humour n'a pas été oublié. Détail qui peut être insignifiant devant l'intensité de l'événement, mais qui donne une note sympathique à ce jeu qui n'a pas été raté, contrairement à ce que l'on aurait pu craindre après la version arcade. Ok. C'est un Psycho Chaser. Combien il a mis là? Je vois pas la note là. 65%. Ok, on avance. Ah non, mais c'est juste ouf. Non, mais c'est pour ça qu'on peut même pas lui en vouloir en fait. Quand il a révélé qu'il testait pas tout, c'est complètement impossible. Enfin, quand on était des gamins, on s'en foutait de tout ça. On jouait contrairement à maintenant. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi, moi. C'est qu'en fait, on était focalisé sur le jeu. Le jeu, rien que le jeu, le plaisir. Et le reste, c'est vrai qu'on s'en foutait. On n'avait pas de regard critique, quoi. Peut-être un petit peu, il y avait moins de branlettes aussi, soyons clairs. Vidéo de Florent Gorge, ouais. Ok. J'ai vu que celle avec la dame là. J'ai pas vu le deuxième live. Le deuxième. C'est dit Fleck. Je parlais de toi avec les pros Super NES de mauvaise foi qui critiquent le son de la Mega Drive. Que je hais. Je les hais! Ils méritent pas de vivre, ces enculés! Fils de pute poyade! Ah, je parle pas de toi, bien sûr, je plaisante. Soyons corrects. Soyons corrects. Alors, les fans de Master System le sont-ils par défaut? C'est horrible. C'est horrible, mais bon, y a un peu de ça. Non, 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 mais après la Master System, c'est vrai que je l'ai eu sur un malentendu en fait. Je l'ai eu sur un malentendu, mais je regrette pas parce que même si finalement il n'y a que deux jeux qui m'ont marqué à l'époque, c'est un Castle of Illusion. Que j'ai trouvé génial et qui est génial d'ailleurs, c'est une super version. Et puis Sonic, le Sonic Master System qui est aussi une bombe. Donc, non, non, je regrette pas. Oui, on a appris avec Netagio que les idées reçues se sont fracassées sur le mur de la légitimité, puisqu'il nous a expliqué que c'est contrairement à ce qu'on pensait, c'était pas forcément le son de la Mega Drive 1 qui était meilleur. Théof Cozy. Bon, allez, écoutez. Non, non, mais attention, oui, mais attends, je suis d'accord, moi. Bien sûr qu'il y a des bons jeux sur Master System. Bien sûr qu'il y a des bons jeux, on est d'accord. On avance. Alors, attention. Attention, Dragon Ball, le jeu de la honte. Combien ils ont mis? 87%, mais ils se foutent de moi. Ils se foutent de nous, là. Putain, mais ce jeu, c'était. Je sais pas pourquoi. Enfin, je vous dis, je sais pas pourquoi, parce qu'en même temps, c'est pas la pierre des daubes non plus. Mais pourquoi j'étais déçu par ce jeu à ce point-là? J'étais tellement fan de Dragon Ball, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je déchante à ce point? Est-ce que c'était. Je pense que c'était les musiques aussi. Elles étaient insupportables.
Est-ce que vous voulez que je vous reproduise les musiques de Dragon Ball? Allez, attention, 1, 2, 3. Allez, on va passer à autre chose. Non, mais c'était un cauchemar. On s'attendait à faire des Kamehameha, puis la douche froide. Non, mais je sais pas, parce qu'en même temps, c'est pas la pire. C'est ça, en fait, le mystère. J'arrive pas à résoudre le mystère. C'est pas non plus la pire des daubes. Je veux dire, il y avait pire que ça, mais je sais pas. Peut-être qu'on s'attendait, effectivement, à ce que ce soit plus fidèle à ce qu'on voyait à la télé, en fait. Et du coup, c'était la douche froide, mais je sais pas. C'est Interville. Je sais même plus comment est la musique d'Interville. Et écoute, attendez, j'ai presque envie de l'uploader là. Là, tu m'interloques. Attends. Si vous avez 2 secondes, on va mettre la musique d'Interville parce que là, tu me chauffes là. On va comparer. Attendez, on va même aller plus loin. On va comparer la musique d'Interville et de Dragon Ball. Et on va voir s'il a raison ou pas. Est-ce qu'il a raison selon vous? Ou est-ce que c'est un fieffé menteur? Attention, soyez prêts, vous n'êtes pas prêts. On dégage toi, hop. Un fieffé menteur. Enfin, attendez, il faut que je trouve ceux de la version NES déjà. Alors, on y va, je vais la télécharger. C'est celui-là. Alors, hop, donc ça. Hop, et Interville. Alors, est-ce que vous voulez que je commence par Dragon Ball Interville? Allez, on va commencer par Dragon Ball, d'accord? On va commencer par celle de Dragon Ball. Alors, je coupe ça. Soyez prêts. Soyez prêts parce que vous n'êtes pas prêts. Elle est où? Elle est là. Pendant ce temps-là, on va prendre celle de Interview. Qui a dit que c'était la même? Attention. Qui ça ressemblait? C'est Interview, c'est Dream Fab. Attention. Allez. Soyez prêts, c'est parti. Et maintenant, la musique d'Interville. Il a raison, putain. Il a raison, putain, c'est la même chose. Oh putain, je suis fumé là! Ah, je suis fumé là! C'est un truc de fou! Mais c'est la même! Dream Fab, c'est énorme ce que tu viens de découvrir. Ah, c'est énorme. Ah, putain. Ah, j'étais pas prêt là. Ah, j'étais tellement pas prêt en fait. Tu sais, quand ça a démarré là. Ah, mais c'est fou.
Ok, bah écoutez, on a fait une découverte. Ce soir, on remercie DreamFab. C'est pas mal, c'est sympa. Du coup, allez, qu'est-ce qui nous reste encore à lire là? De toute façon, on va pas tarder là. On va pas tarder. Attends, mais le son était pas. Attendez, attendez. Ah, le son était pas assez fort. Bon, tant pis. Mais c'est dommage. Mais non, mais j'avais pas mis le son fort en fait. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On se le remettra. Écoutez, on se le remettra pour un blind test parce que c'est énorme, c'est énorme. Oui, parce que j'avais laissé en fait le son au niveau de la musique d'ambiance. On n'entend pas. Attendez, je vais le remettre. Alors, je vais le remettre. Allez, attendez. Je recommence tout. Donc, du coup, je vais mettre à fond le son et on se le remet. Allez, c'est parti. Donc, on commence par Dragon Ball d'abord. C'est la version a cappella de la musique de Dragon Ball, quoi. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette question. Ouais, non, mais c'est très marrant, DreamFab, effectivement. Alors, du coup, attendez, est-ce qu'il y avait encore des trucs intéressants à partager ou pas dans les autres magazines, là? Allez, on va simplement finir sur Thunder Force 2, là. Thunder Force 2, qui a été testé. Est-ce que je le retrouve ou pas? Alors, dites-moi là, est-ce que je dois me forcer pour Sound of Force 2 ou non? Est-ce que c'est un jeu qui mérite d'être creusé? Alors, vous allez me dire, c'est un Sound of Force, donc oui, il faut faire un effort, mais qu'est-ce que j'ai du mal avec ce Sound of Force 2? C'est une horreur. Ils l'ont défoncé, hein, 74%, la vache, c'est violent. Sword of Force 2 est un shoot'em up se déroulant d'abord en scrolling multidirectionnel, puis par la suite en scrolling vertical ou horizontal. L'animation, les graphismes divers agresseurs sont agréables mais sans plus. L'originalité de sa conception fait de Sword of Force 2 un bon jeu de tir mais qui pêche énormément par son manque de maniabilité. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. C'est bien mais mal porté. Ouais, bon, je sais pas. Faut que je me force un de ces quatre. Bon, les amis, c'est tout pour ce soir. Voilà, on a bien rigolé. On a bien rigolé avec ce. Il n'y a pas de raison que je casse pas des mettre mes rêves. Ouais, soyons honnêtes. Hein, je pense que les tests sont à chier. Hein. Je ne veux pas tourner autour du pot, mais c'est rigolo de se replonger dans ces vieux joysticks. Allez, on va se quitter et puis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Allez, salut, à plus.